Bonjour à toutes et à tous, ici 260 pour une petite vidéo annonce. Oui, je sais, je fais du Diablo 3 sur ma chaîne principale Team 260, même si cette vidéo sera publiée un peu sur mes deux chaînes. Alors pourquoi? Bah tout simplement pour vous dire que j'ai un peu réfléchi ces derniers temps. Et je me suis dit, enfin c'est surtout ma team qui me l'a dit, et je leur remercie d'avoir été si franc avec moi, enfin. Mais même si j'ai. Enfin, ça c'est un petit message adressé à ma team. J'aime pas reconnaître que les autres ont raison et que moi j'ai tort. Et donc c'est un peu une défaite pour moi de faire cette petite annonce. Mais bon, hein, vous savez. Donc cette petite annonce, juste pour vous dire que je me suis dit qu'en fait c'était complètement débile d'avoir fait une deuxième chaîne entièrement consacrée à Diablo 3. Ok, si j'avais peut-être un gros paquet d'abonnés qui me suivraient, qui se seraient directement dirigés vers ma deuxième chaîne pour voir du Diablo 3, justement. Mais bon, je suis quand même encore un petit youtubeur, j'ai que 250 abonnés, c'est pas vraiment beaucoup à l'échelle d'autres youtubeurs un peu plus grands. Donc je suis vraiment un petit youtubeur. Ça a vraiment été très dur pour moi d'atteindre ces 250 abonnés. Et je vois qu'avec la chaîne Diablo 3 ça monte pas vraiment beaucoup. Alors je vais pas dire que je suis déçu, enfin ou dans un sens je m'attendais à ce que ça aille tout doucement. Mais j'ai mis 2 ans à rassembler 250 personnes sur ma chaîne principale et tout recommencer sur la chaîne Diablo 3. C'est vrai que c'était un peu débile. Alors mais les gens de ma team, de la team Balobos, me l'ont fait remarquer. Et ensuite, alors pourquoi je m'étais dit que j'avais créé une deuxième chaîne? Et bah parce que dans ma tête ça semblait plus structuré, je me suis dit, bah là je suis vraiment à fond sur le Diablo 3. Donc, enfin je me suis dit je vais faire une deuxième chaîne, comme ça je vais pas mélanger Minecraft et Diablo 3. Sinon je me suis dit, ça ferait un peu tout mélanger un peu dans le bordel. Et moi j'aime bien faire un peu tout structuré. Et mes amis m'ont dit, bah non c'est, enfin nous ça nous choquerait pas, alors pourquoi ça choquerait tes abonnés? Et tout, surtout que, enfin, je me suis dit aussi, à quoi ça sert de mettre du Diablo 3 sur une chaîne où les gens se sont surtout habitués à voir du Minecraft. Mais, enfin, je me suis dit, cette petite communauté que j'ai rassemblée, elle est pas là uniquement pour du Minecraft. Si des gens se sont abonnés à ma chaîne à l'heure actuelle, ou ce que je fais, ils pourraient le trouver un peu chez n'importe quel autre YouTuber. Je me suis dit, bah, ils sont peut-être là pour moi, pour la personne qui est derrière l'écran, qui fait les vidéos. Et pas simplement pour les vidéos en elles-mêmes. Donc je me suis dit, pourquoi faire deux chaînes? Pourquoi diviser mon nombre d'abonnés? Pourquoi tout devoir recommencer dès le début et être frustré? Donc voilà, cette petite annonce juste pour vous dire que... Donc j'arrête pas les vidéos Diablo 3, loin de là. Mais dorénavant, je vais poster mes vidéos Diablo 3. Donc sur ma chaîne principale Team 260 et pas sur ma chaîne secondaire ZeusD3FR. Que je pense supprimer d'ici fin de la semaine ou fin du mois. Les vidéos qui sont sorties sur la chaîne ZeusD3FR, je vais les réupload sur ma chaîne donc principale Team Zeus 900. Vous étonnez pas si ceux qui se sont réabonnés à ma chaîne ZeusD3FR, si vous revoyez exactement les mêmes vidéos que celles postées auparavant, c'est normal, hein. C'est pour que tout le monde puisse un peu en profiter. Parce que, enfin au début, enfin dans ma tête, ça sonnait comme mes abonnés, ils vont directement aller voir ma chaîne ZeusD3FR, ça va prendre une question de. Ce serait une question de jour. Mais je me suis dit franchement ça sert vraiment à rien une deuxième chaîne. Et d'ailleurs c'est un conseil que je vous donne à vous. Si vous êtes un petit youtubeur que vous avez galéré à rassembler des abonnés, ne vous faites pas une deuxième chaîne, c'est vraiment la merde pour tout recommencer. Vous vous dites que ça va aller comme sur des roulettes, mais non, vous galérez vraiment encore plus parce que vous proposez un tout autre contenu qui ne va pas forcément plaire à votre public habituel. Donc c'est vraiment ce que je me disais. Enfin, c'est un peu ce que je me dis depuis quelques temps. Et c'est vraiment l'idée que m'a renforcé ma team, c'est que ça sert à rien une deuxième chaîne au nombre d'abonnés où je suis. Donc juste pour dire que vous allez en bouffer du Diablo 3, enfin ce sera un peu le titre de cette vidéo. Ceux qui sont sur ma chaîne Team 260, vous allez bouffer du Diablo 3. Alors ça veut pas dire qu'il faut vous désabonner parce que vous êtes là pour du Minecraft. Du Minecraft, je vais continuer d'en faire, mais beaucoup moins, sachant que là, Diablo 3, c'est vraiment devenu mon jeu principal sur lequel je joue presque toujours. Mais il y aura du Minecraft.
Il y aura de l'atelier à skin qui va un peu recommencer. Bon, alors là, c'est un peu la partie plus pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc, ceux qui me suivent sur ma chaîne 2SD3FR, je vais surtout vous parler de mes vidéos Minecraft en ce moment. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre parce que vous allez un peu rien comprendre. Donc, pour ce qui est de l'atelier à skin, j'attends un peu la 1.8 pour pouvoir recommencer ma vidéo. Parce que à la 1.8, il y aura des nouvelles options de skins, donc c'est-à-dire les skins HD. Je vais pas trop vous en dire, allez un peu faire vos recherches, enfin ça semblerait être méchant, mais allez un peu faire vos recherches parce que enfin, ce que je vais vous expliquer, ça prend du temps à expliquer. Au début je voulais pas trop faire une vidéo trop longue. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'attends la 1.8 parce que aussi le site lui-même, Miners Need Cool Shoes, a changé son design. Donc c'est vraiment une nouvelle manière de skin adaptée à la 1.8 qui va bientôt sortir. Vous vous dites que pour moi c'est vraiment une mise à jour que j'attends au niveau des skins. Alors pour ceux qui savent ce qui va arriver au nouveau système de création de skins, et même au skin en général, eh ben essayez de pas trop spoiler les autres, hein. Franchement, enfin, ça va vraiment être un truc cool qui va venir. Et donc j'attends la 1.8 comme ça pour vous sortir des petites vidéos. Enfin des petits skins spéciaux à la 1.8 et donc lancer une saison 2 de l'atelier à skin. Ensuite, eh bien, j'ai donc dans ma team, j'ai un ami qui s'appelle FoxroDX, qui va bientôt lancer sa propre web série sur l'histoire. Enfin, je me documente pas trop parce que vous l'avez vu, je suis surtout sur Diablo 3, je suis plus trop avec ma team. Mais donc il va lancer sa web série dont le thème ce sera les zombies, donc ce sera beaucoup inspiré de Walking Dead. Il y en a beaucoup qui vont dire c'est vu, ça a été vu, vu, revu et encore vu. Bah, sauf que là, ce sera une série sérieuse, donc ce sera pas le genre de web série qu'on voit sur YouTube où c'est des grosses parodies et tout. Là, ce sera vraiment une histoire indépendante. Ce sera pas juste une parodie de Walking Dead. Bah, ce sera comme une série que vous auriez l'habitude de regarder chez vous, quoi. Donc n'hésitez pas à aller voir, le scénario est work in progress. Bien sûr, ce sera une web série sur Minecraft. Je m'occupe des skins, et donc si jamais le projet vous intéresse, eh bien vous pouvez aller voir la chaîne de FoxroDX, sa chaîne est dans la description. Allez vous abonner parce que des fois il largue des petites vidéos qui expliquent l'avancement de son projet. Je crois qu'il est à 50% de son scénario, donc franchement il a bientôt fini quoi. Le tournage ça devrait plus trop tarder, donc franchement allez voir. Surtout que je crois qu'il cherche peut-être encore des gens au niveau casting, scénario, tout ça. Donc allez voir, allez vous renseigner parce que franchement c'est un projet qui lui tient vraiment à cœur. J'ai envie qu'il réussisse, qu'il soit reconnu pour ce qu'il fait. Et donc allez voir, n'hésitez pas, c'est juste quelques clics et au pire ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Mais allez voir, ça peut être un projet qui vraiment peut devenir très intéressant au fil des épisodes parce que Fox donc, a déjà prévu l'intrigue. Je vais pas vous spoiler, hein, ce serait un peu dégueulasse vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis de Fox. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà une intrigue bien ficelée. Fox a déjà une idée de la fin, donc de la série. Il a vraiment, mais vraiment tout prévu au niveau de tous les épisodes. Alors je crois, il a même pas encore fini le scénario de son premier épisode, et il a déjà tout vraiment en tête. Et enfin, vu le temps qui passe dessus, bah, ça va pas être de la merde. Ce sera franchement quelque chose Il me faut de encore vraiment plus très bien, d'air. de bien travailler. Et je vous conseille vraiment, mais alors là, mais vraiment d'aller voir. Alors, bah, on va un peu revenir dans cette idée de skin. Hein, ça va vraiment tourner autour. Alors au niveau des skins, eh bien ne me demandez plus de faire vos propres skins. Je commence à être un peu débordé, surtout que ces temps-ci, quand je vois quelqu'un qui me demande ouais Zeus, s'il te plaît, fais-moi un skin, je le prends un peu, tu sais que. Enfin, c'est pas vous, hein, faut pas croire que c'est votre faute, machin. Mais moi dans ma tête, je le prends un peu comme une obligation, vous voyez, comme une espèce de petit travail que je dois fournir chaque jour. Alors oui, c'est un travail que je dois essayer de fournir chaque jour. Mais enfin là je suis en vacances donc je poste beaucoup de vidéos. Mais quand je suis à l'école j'ai vraiment pas le temps parce que je passe vraiment beaucoup de temps à l'école. Et donc le peu de temps qui me reste pour faire du jeu vidéo, bah, je préfère le passer moi-même quoi.
tranquillement sur mon PC, pépère, sans me dire, hein, je suis obligé de sortir une vidéo. Donc ne me demandez plus des skins, je vais sortir des skins moi-même quand j'en ai envie. Enfin, je sais qu'il y en a que ça a un peu cassé les couilles parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient demandé des skins. J'avais donné beaucoup d'espoir aux gens. Mais là, je vais surtout faire des skins qui me plaisent, que j'ai envie de faire, qui sortent de mon imagination et pas de la vôtre, hein. Je suis vraiment désolé. Peut-être que plus tard, quand j'aurai un peu repris le goût de pondre ces vidéos à la chaîne sur Me Minecraft, manque de la discipline. bien peut-être que plus tard, bah, je me remettrai à prendre vos propositions. Ou alors peut-être qu'une fois ou deux, bah, je prendrai un abonné au hasard et je lui demanderai un skin. Hein, ce sera peut-être par le biais de vidéos concours ou juste sur des petits coups de tête comme ça. Mais ne me demandez plus de faire vos skins, s'il vous Est-ce plaît. que vous êtes prêts pour commencer? Parce que quelqu'un qui me demande de faire un skin, ça me donne encore moins envie de le faire. Alors c'est pas au niveau de vous, de la forme que je vous aime pas, c'est vraiment au niveau de moi. Je suis pas trop motivé à faire mes skins ces temps-ci, alors si en plus on me demande de les faire, surtout que là je dois m'occuper des skins de Fox pour sa web série, donc franchement, ne me demandez pas. Et donc voilà, je suis un peu dégoûté parce que cette vidéo traîne un peu en longueur, je pensais que ça allait prendre 2 minutes histoire de faire l'annonce, mais je m'emballe, donc je vais pas trop vous retenir, bah donc. Bah, pour ce qui est de la chaîne de Fox, allez vous abonner. Pour ce qui est de ma chaîne ZeusD3FR, n'allez pas vous abonner. De toute façon, je vais vite la supprimer. Parce Merci. qu'elle sert un peu à rien, cette chaîne. Vous allez bouffer du Diablo 3 ces jours-ci. Quand même, je vais essayer de toutes les uploads en une seule journée. Comme ça, c'est plus confortable pour moi et pour vous. Donc, bah, n'hésitez pas à regarder mes vidéos. Hein, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Et surtout, tester Diablo 3, il y a une version test qui va bientôt, enfin qui est sortie, hein. Enfin, c'est une démo du jeu quoi. Surtout tester, encouragez-moi dans mon travail, ça me ferait vraiment très plaisir parce que Diablo 3 c'est devenu plus qu'un jeu, c'est devenu vraiment une passion pour moi, je passe mon temps dessus. Et donc un peu de reconnaissance, je vous oblige pas, hein, mais j'aimerais bien un tout petit peu de reconnaissance pour le travail que je fournis. Et tout le bordel quoi. Donc voilà, donc cette vidéo est déjà trop longue à mon goût. Donc sur ce, je vais vous laisser sur ces sages paroles. Et donc on se retrouve bientôt pour du Diablo 3 et je l'espère du Minecraft. Et bien sûr, on se retrouve pour la sortie de la 1.8 avec une saison 2 de l'atelier Skin. Allez, salut tout le monde!